destination Saralbe, chef-lieu des Cigognes, en compagnie de celui qui les connaît jusqu'au bout des plumes depuis une quinzaine d'années, Dominique Klein. Pour lui, c'est une chance de les observer au quotidien, sans contrainte et sans devoir se cacher, dans ce qu'il appelle son laboratoire à ciel ouvert. En général, les gens qui sont sur le terrain, qui étudient les oiseaux ou la nature, sont plutôt discrets, un peu même sauvages même. Donc toujours seuls dans leur petit coin et la communication est assez difficile. Et moi, c'est tout le contraire. Moi, je suis en plein public. C'est le début d'année, période où ces échassiers ne sont pas encore censés être dans leur nid. Pourtant, certains pointent timidement le bout du bec. En voici un, installé sur le plus haut nid de la commune. On le voit pas. On est trop près. On va faire le tour. Il est debout, donc je vais voir ses pattes. On voit pas assez ses pattes. Il est debout, mais il est au milieu du nid, donc il est un petit peu trop loin. L'inconvénient, quand on fait la lecture de bague, l'oiseau, c'est lui qui choisit. Trouver et lire sa bague permet de connaître son origine, ses derniers déplacements et surtout son nom. Dominique prend le temps d'observer le comportement de ses oiseaux pour immortaliser quelques instants de vie. Il nous regarde. Bon, il a un gros bec, il a un grand bec, donc ça doit être un mâle. Une autre cigogne vient de faire son apparition, juste devant la webcam installée dans le nid sur le toit de la mairie. La chose est sûre, il n'est pas bagué. Donc il y a quand même de fortes probabilités que ce soit Maurice. Un oiseau qui, même de loin et sur petit écran, semble majestueux. Et des photos comme celle-ci, Dominique en a près de 10 000. Alors, de temps en temps, je les reclasse, je les trie, j'en élimine parce que mon regard a changé. Ou alors j'en ai en double, en triple, je lui dis ben celle-là, elle pourrait servir. Et après, ben non, elle n'est pas tout à fait nette. Je deviens de plus en plus exigeant, oui, je crois bien. Alors le tri est plus facile maintenant. Et Dominique a même créé un livre photo avec ses plus beaux clichés du secteur. Mais la photographie n'est que le petit bout de l'iceberg. Au départ, Dominique ne faisait qu'observer. Puis, en 2016, il obtient sa première autorisation pour baguer les cigogneaux pour le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Mon record, c'est 8 heures pour lire une seule bague de cigogne. Saralbe, le nid qu'il y a sur le moulin. Le nid est très très haut et quand la cigogne a la bague juste au bout de la patte, c'est impossible de lire la bague. Mais en général, sur le terrain, c'est pareil, c'est très très long. Donc j'ai commencé vraiment par faire que uniquement de l'observation. Et après, à force de sortir, hop, les jumelles, l'appareil photo. Pour moi, c'est de la récréation, hein. c'est une passion. Et aujourd'hui, Monsieur Cigogne n'est plus à présenter. Un véritable amoureux de la nature, grâce à ses 40 ans de travail au cœur de l'Office national des forêts. Aujourd'hui, outre sa décoration à l'effigie de ces grands oiseaux migrateurs, il partage sa passion avec les autres, dans les écoles et les maisons de retraite notamment. Et bien sûr, il s'est fait une place sur le web pour partager chaque moment passé sur le terrain. Comme Marc N, que nous rejoignons devant chez lui sous un grand soleil. Cap sur Saint-Glin, à côté de Gros Réderchin, lieu où il observe régulièrement de nombreux chevreuils, dont une famille albinos, très rare. En voiture, on peut faire de très très belles photos, parce que les chevreuils, ils sont habitués aux voitures. Il suffit d'ouvrir des fois la fenêtre, mais là, on est quand même relativement loin. Nous irons donc à pied. Une minute plus tard, Marc aperçoit déjà des animaux au loin. Donc à l'horizon, on voit, je dirais, une quarantaine de chevreuils. Un peu difficile pour les approcher parce qu'il n'y a pas trop de haies dans le coin. Et nous faisons aussi plus de bruit qu'il n'en faudrait. La tâche n'est donc pas aisée pour retrouver le brocard albinos. Heureusement, Marc a de l'expérience dans la bilbaude, une technique où le photographe est en mouvement constant pour approcher les animaux, un peu comme les chasseurs. J'étais chasseur, oui, un ancien chasseur. Mais plus jamais je prendrai le fusil. Hein. L'appareil là, c'est bien mieux. Juste là devant. On va voir si l'albinos il est là-dedans. À travers les champs, difficile de se camoufler pour les observer de plus près. Alors nous devons suivre les instructions à la lettre. Plus on va s'en approcher, plus on va marcher un peu le dos courbé pour casser la forme humaine. En effet, quelques chevreuils se trouvent à plusieurs centaines de mètres. Il y en a un paquet qui viennent là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Et pour le prendre en photo, ben, il faut apprendre à connaître le territoire, hein, et apprendre leur territoire à eux, où c'est qu'ils vont. Et à force de chercher, ben, on trouve. Après, on se poste un peu à quelques endroits où on voit qu'il y a un beau, où on peut faire un beau bokeh à l'arrière-plan. Et s'il y a l'animal qui vient sur cet endroit-là, ben, vous avez tout gagné. Hein, la journée est faite, quoi. Ah, je peux attendre une journée entière. Je peux partir le matin très tôt et je peux rentrer le soir. Après, il y a des moments où je fais des affûts de 1 ou 2 heures. Ça peut suffire. Des fois vous êtes posté un quart d'heure et puis vous avez déjà l'animal qui est devant l'objectif, et des fois vous attendez la journée entière et vous ne faites rien du tout. Hein. C'est ça la photo. Hein. En 9 ans de photo animalière, Marc a appris à approcher les animaux en douceur. Contrairement à nous, il aperçoit d'un coup d'œil les attroupements. Dans les buissons qui est le long du parc, il y a souvent un lièvre qui sort. Voilà, il faut marcher vraiment doucement maintenant. Hein. Avec l'expérience, Marc sait qu'il ne gardera pas les premiers clichés. Ils servent avant tout à se repérer, compter les groupes, pour bien évidemment trouver la perle rare et enfin décrocher le cliché parfait. Elles sont rares en plus de ça, hein, les belles photos. Hein. On va dire sur les 9 ans de photos que j'ai fait, j'en ai 400 ou 500 que j'ai vraiment, que je mets sur mon site Flickr, que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est la photo, la super netteté, peut-être un oiseau en vol, l'action des renardos qui jouent avec la mer, l'allaitement. Voilà. Après, le fait de pouvoir les partager, je trouve que c'est bien. Nous repartons bredouille. Aujourd'hui, il ne postera pas de chevreuil blanc, mais il retournera très rapidement dans les champs pour le capturer avec son objectif. Avec le temps, Marc a su immortaliser des instants de vie assez particuliers. Un envol d'oiseaux, une famille de renards chahutants, des écureuils cherchant de quoi manger. Certaines de ces photos ont de très belles audiences sur les réseaux sociaux. Malgré les milliers de clichés déjà pris, nos deux passionnés continueront de sillonner le territoire à la recherche du cliché parfait.